Salut mec! Donc là, tu vois, on est dans le séjour. Je vais faire des tests avec ma femme. Donc là, j'ai placé toutes les lights. Bon, normalement, j'aimerais bien en placer style là pour qu'on voit le cadre. J'aimerais bien mettre une lumière en haut. Mais bon, j'ai plus assez de lumière. Donc là, j'ai placé un peu tout ce que j'avais. Je vais voir ce que ça rend. Niveau image, pour réussir à avoir un truc bien psyché, tu vois, quand ma femme va taper le LSD. Donc, essayer d'être dans une ambiance bien colorée. Et après, je vais faire des tests avec le micro Rode pour voir si on arrive vraiment à avoir un rendu cinématographique, réussir à avoir la voix qui ressort bien, essayer de faire des tests aussi peut-être avec les bruitages quand elle allume son buzz ou des trucs comme ça. Donc, je sais pas, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire comme test. Comme ça nous permettra d'avancer. Et au moment du tournage du court-métrage, enfin de la première partie du clip, je serai au point, je saurai comment placer les lumières, comment placer le micro, et voilà. Donc c'est parti. Donc là j'ai mis un panneau 160 LED avec un filtre vert. Ici pareil avec un filtre rouge. Ici j'ai changé l'ampoule, j'ai mis une ampoule rouge. Tu vois ça ressort vachement bien. Donc tu vois là j'ai mis une loupiote dans chaque case. Ça change de couleur. Tu as une télécommande pour choisir les couleurs. Là je l'ai mis en mode changement de couleur automatique. Donc tu vois ça change tout le temps de couleur. Tu vois c'est pour ajouter un plus au background. C'est voilà, c'est sur des petits détails comme ça que ça fait la différence. Tu vois, faut pas négliger tous les petits détails comme ça. Ça rajoute un plus au niveau de la réalisation. Ici, pareil, une 160 LED qui vient directement éclairer là-bas avec un filtre bleu dessus. Ici, tu vois, tu as la lumière rouge qui vient éclairer juste ici au niveau du bras et du personnage. Et là, la dernière lumière, la lumière verte qui vient éclairer derrière le personnage. Donc voilà, moi j'ai essayé d'avoir la moitié, tu vois, vert et rouge, et l'autre moitié bleu et rouge. Donc tu vois, ça rend super bien. Le truc, c'est que tu vois, il y a pas mal de light. Et le problème des lights, c'est que ça va faire des reflets, tu vois, au niveau des cadres et au niveau de la télé. Donc ça, il va falloir essayer d'en avoir un minimum. Mais bon, après, on verra bien. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas allumé la télé. Mais pendant le court-métrage, justement, elle est censée regarder Alice. Donc il va falloir que je fasse le test aussi avec la télé allumée, voir ce que ça donne. S'il n'y a pas des bandes sur la télé et tout, après, essayer de ne pas passer par After Effects, j'aimerais bien avoir directement la télé et que ça passe tout seul, pas commencer à aller sur After Effects et commencer à découper pour mettre la vidéo d'Alice. Là, je pense que le micro voit un peu trop. Bon, je vais me mettre un peu plus près. Alors, tac. Faut que je me mette au style. J'ai la télé. Comme ça. L'armoire là-bas. Attends, je peux le mettre comme ça avec les lumières qui sont juste devant toi de l'armoire. Ok. La télé là. Hop. Alors, mise au point. Voilà. Ah ouais, je suis à 3,5. Le problème, c'est que faut que ce soit net là-bas. Donc je vais me mettre à... À Jaf 9. Jaf 9. Donc les ISO, on va les mettre à... Ouais, là-bas c'est net. Et toi t'es net. C'est cool. On a l'ombre du micro sur ta gueule. Je vais mettre si je mets comme ça. Ah putain, on a la lumière, les reflets de la lumière bleue et verte dans la télé. Bien sûr, je vois rien. Bon, déjà le micro. Faut que je le mette ici. Vas-y. Ouais bon bah ce week-end je suis allée chercher un corps là, putain mon pauvre, c'était un accident, le mec il s'est pris le tracteur, donc il s'est fait rouler dessus par la roue du tracteur, donc le visage complètement défoncé, on peut pas le présenter, il y avait de la cervelle partout, là où ça a craqué, on avait du sang partout, donc il a fallu tout nettoyer. Donc bref, pas de présentation de corps, les obsèques sont prévues par contre à mardi, crémation, pas de cérémonie.
J'ai également prévu la cérémonie de la dame là, qu'on avait depuis quelques jours. Donc elle, ce sera une cérémonie à l'église avec inhumation sur peau. Donc il va falloir gérer ça, aller faire les démarches. Et la gendarmerie, elle va repasser là par rapport au gars où c'était bien crade. Et parce qu'il va falloir le fouiller un peu. Et avec les morceaux qu'il y a de partout, ça va être sympa. Voilà pour les nouvelles de ce okay. week-end. Le son il a l'air d'être bien. Donc là ce que je vais essayer de faire un plan juste où t'allumes le buzz. Enfin là ça va être une clope. Ouais bah ouais, vaut mieux. Juste pour voir ce que ça rend niveau son. Ok. Pour ça là, il y a le verre sur le nez qui fait chier. Ah mais c'est logique. Si je le déclame. C'est moins dégueulasse que le verre sur ton nez. Ouais, c'est carrément mieux. Voilà, c'est parfait. Comme ça, on a pas de petit triangle vert sur ton pif. Donc, on a la perche micro devant. Donc, je vais la foutre de ce côté. De merde. Alors, attends. C'est pour le making of. Bah c'est pas filmé. Bah si ça filme. Oh merde, on est en train de le prendre à la gueule. Allez, c'est parti. Ok. Ah merde, si je le tiens, je peux pas faire le son. Vas-y Laure, tu fais style de juste le rallumer. Attends. Vas-y, fume. Parce que pour tous les petits bruits comme ça, ce serait quand même mieux de le prendre avec le zoom. On entend mieux les lèvres. Ah, c'est ce que tu dis. Tous les bruitages, je pense qu'il faudra les faire quand même avec le micro du zoom H4. Je vais devenir cancéreuse, quoi. Quand tu voudrais tester, tu sais, je vais faire un plan où tu restes comme ça, tu bouges pas trop. Et après, je vais faire un plan avec toutes les lumières. Et faire un plan, tu sais, avec que la lumière du jour, avec tout éteint. Comme ça, ça pourrait faire des flashs où il y a tout qui s'allume, et puis hop, ça revient à une lumière normale. Et en plus, j'ai oublié d'allumer la lumière. C'est ça le but de faire 50 000 lumières, c'est que, bah, putain, en plus celle-là, ça s'allume pas plus de gueule. Connard. Comment ça, t'as mis une lumière rouge sur ma lampe ? Bah oui, bah ça fait mieux quand même, ça a plus de gueule, hein. Ah non, mais ça rend super bien. Oui, mais pour tes trucs à toi. Putain, fais chier. Bon, c'est pas grave, c'était juste un test, donc c'est... Oh, Bruno. C'est juste que le jour du tournage, faut pas que je l'oublie. Il va falloir que je note tout, pour vraiment rien oublier. C'est pour ça qu'il faut des storyboards.
Vas-y, bouge plus, reste comme ça et tu bouges plus. Maintenant, on est à tout. Hop. Ça va encore, ça pourrait être pire. Non, putain, il fait un écran bleu. J'allais dire, t'as pas éteint, t'as mis un écran bleu. Voilà. Mais normalement, avec les. Quand je mettrai les couleurs par-dessus, ça va faire canon. Ça va faire un petit style terrible. Des petits flashs, un petit peu psychés.